Zaccanamuro pour aller chercher pourquoi pas la tête de Marie-Laure Dolly ou de Wendy Renard qui va plonger dans la surface. Wendy Renard, elle est là. Oh, c'est sur la barre. Quelle occasion pour l'équipe de France avec ce coup de tête de Wendy Renard. Ça sera un corner. Et le très bon coup franc, un pied droit tiré par Luisa Cadamuro. Et la capitaine vaillante. Et Obsolo hein, qui dévie ce ballon. Légèrement dévié. Renard avec Majri. Cadamuro. Oh, le bon appel de balle. Marie-Laure Denis encore dans la surface. La frappe cette fois-ci. Et l'arrêt d'Obsolo. Bon appel de balle tranchant encore de Marie-Laure Denis. Il est latéral, il part juste devant. Hein. L'américaine Sewerbon qu'elle dépose sur place, la frappe et l'angle fermé d'Obsolo qui par sécurité met les deux points c'est pareil, hein, c'est assez court la distance, il va falloir aller le fouetter suffisamment pour qu'il passe au-dessus du mur. Attention à la qualité de frappe de Tobin Hiss, l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain qui va défier Sarah Boidi, c'est par-dessus le mur et oh, c'est claqué. Et ça sera un 6 mètres finalement. Tout le monde croyait un corner ici. Non, voilà, très bonne frappe, le pied droit. Elle et c'est claqué, hein, c'est claqué. Une très belle parade de Sarah Boidi. Et c'était cadré. Ouais. Morgan Bryan avec Ligenberg encore. Ça combine bien côté gauche avec Tobin Hiss qui va débouler face à Grigio Mbok. Il y a danger, attention. Tobin Hiss qui repique dans l'axe maintenant. Et c'est bien défendu de la part d'Mbok. Côté gauche, c'était juste Dali Long. Récupération à Amandine Henry maintenant. Ouais, elles sont totalement décontenancées, hein, les Américaines. Abili a une touche de balle vers Marie-Laure Denis dans la surface. Marie-Laure Denis ! Oh, la parade d'Obsolo ! Énorme occasion pour Marie-Laure Denis. Et c'est Obsolo qui remporte son duel face à la Française. Pour nous, c'est un bon résultat. Ouais. Pour elle, un peu moins. Un peu moins. Parce qu'elle resterait deuxième du groupe. Et on sait que le deuxième du groupe va très probablement rencontrer l'Allemagne en quart de finale. Sauf si elles soignent leur golavérage. Lors du dernier match. Voilà, lors du dernier match. Bon, attention, le ballon dans la profondeur. Il faut sortir Sarah Boidi, c'est bien fait. Elle est sortie au devant de Morgan Bryan. Et là, les Françaises étaient tout proches d'encaisser un but. Heureusement que Sarah Boidi était là pour écarter le danger. Oui, devant Morgan Bryan. Hein. Morgan Bryan. Ali Long maintenant. Attention parce que ça peut aller très vite. Il y a des décalages sur le côté. Et la menace qui se précise. Attention, Sarah Boidi qui a relâché ce ballon devant Alex Morgan. Il y a du flottement hein, dans la défense tricolore. Elle n'a pas pu hein, s'emparer de ce ballon. Sarah Boidi, petite faute de main. Hein, le ballon qui rebondit au moment où il y a l'impact du corps de Sarah Boidi sur le sol. Ouais. Ça va revenir dans l'acte, la déviation. Morgan Bryan maintenant. Oh, elle est toute seule. Tobin Hiss dans la surface. Tobin Hiss la frappe. Le poteau est but. But pour les États-Unis. Signé Carly Lloyd. On l'a senti venir. Les Françaises étaient dominées depuis longtemps dans cette deuxième période. Et c'est Carly Lloyd qui vient punir la France. 1-0 pour les États-Unis. Et oui, il y a un moment de flottement, hein. On les sentait en difficulté, hein. Les Françaises battues en retard dans les déplacements, en retard dans ses passes, dans les intervalles, et on revoit le très bon décalage de Tobin Hiss qui prend la frappe pied gauche, ce ballon qui est peut-être touché par Sarah Boidi, et c'est Grigio Mbok hein, qui a lâché le marquage de Carly Lloyd. Elle est toute seule, hein, toute seule pour hériter de ce ballon, la capitaine américaine elle, qu'on avait peu vu depuis le début de la rencontre. Allez Camille, il faut s'appliquer, il faut être à la tombée aussi les copines. Allez Wendy Renard au point de pénalty, la déviation. Oh là 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 là, il passe, il frôle le montant de Obsolo. Juste à côté de la cage américaine. Ah, elle les fleure. Ouais, et Obsolo qui a surveillé hein, du regard la sortie de cette balle en 6 mètres. Allez Amandine, il faut impulser quelque chose. Avec Elodie Thomis maintenant côté droit. La vitesse d'Elodie Thomis pour faire la différence. Pourquoi pas en 1 contre 1 face à Kligenberg. C'est compliqué, elle a deux Américaines sur le dos. Jessica Wara, le centre vers le deuxième poteau. Il y a du monde au point de pénalty. Oh, quel arrêt d'Obsolo sur ce coup de tête de Marie-Laure Dolly. Quelle parade de la gardienne américaine. Et au revoir, la très bonne tête de Marie-Laure Dolly.
qui vient couper littéralement la trajectoire du ballon. Elise Bussaglia, le décalage à droite avec Elodie Tomis. Allez, Elo. Le bon centre. C'est juste à côté. Ouais. Allez, c'est petit filet. Ouais, c'est. Je crois même que ça va aller. Bussaglia. Oui, c'est bien joué ça de la part d'Elise. Le décalage sur Amel Majri. Contrer le centre, mais le ballon toujours pour Amel Majri. Le ballon vers Claire Lavaugier. Elles se sont gênées. Avec Kera Amraoui. C'est fini. Ici à Belo Horizonte, l'équipe de France s'incline une nouvelle fois face aux États-Unis. C'est dur, mais au vu de la deuxième période, les Américaines ont montré un visage nettement plus séduisant, beaucoup plus conquérant. Elles sont marquées à l'heure de jeu, les Françaises s'inclinent.